maintenant. La fête est finie. Comme toutes les fêtes, il faut ranger. Musée avec tout ce qu'il y a encore chargé. On peut plus là. C'était bien. Dis-moi le prochain. Il y en a avant feu, puis l'après-feu. Quelques minutes éphémères. Derrière comme des fous. Le feu d'artifice est né à Versailles au sens culturel du terme tel qu'on le connaît en France. C'est véritablement le lieu de naissance du spectacle pyrotechnique. Louis XIV, lui, avait compris immédiatement que le feu d'artifice était ce qui, à moindre coût, pouvait remplir le plus le ciel et le plus épater. Donc il avait créé la charge de maître artificier, au même titre qu'il a institutionnalisé toute une série de phénomènes artistiques tels que la musique, le chant, la danse. Il a institutionnalisé l'artifice comme étant une des références principales de l'art de la fête en France. Ce sont des fêtes qui, la plupart du temps, avaient un rôle politique et qui étaient là pour célébrer soit un événement familial au niveau de la royauté, une naissance, un mariage, ou encore un événement politique plus important comme la paix, parce qu'on passait beaucoup de temps à faire la guerre, ou la victoire d'une guerre en tout cas, mais qui conduisait toujours à la paix. Dans l'enceinte du château de Chantilly, de véritables chantiers se forment. C'est à l'occasion des nuits de feu, un concours pyrotechnique connu des artificiers du monde entier. Les célèbres jardins de l'Enôtre sont alors envahis de toutes sortes de tubes, de fils électriques, de récepteurs radio, de bombes et d'autres objets qui sentent, à n'en pas douter, la poudre. À proximité, des hommes se pressent, attentifs aux inclinaisons des fusées que l'on voit fleurir ici et là. Ce sont des artificiers, ils sont des concepteurs, des chimistes, des électroniciens, français, espagnols, italiens, américains. Ils partagent le même amour, la même passion, celle du feu, de l'éclair. Ils sont les adorateurs de la lumière bien ordonnée mais éphémère. Ça, ça va partir, ça va être beau. Ah. C'est un des éléments du système de tir par radio. Mais vous êtes électronicien ? Oui, enfin, quand je ne fais pas l'artifice. Je suis comme Ludo, je travaille en extérieur. Comme disent certains, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et depuis, c'est un virus qu'on n'a pas encore trouvé l'antidote, ça, les feux d'artifice. Mais je pense que je ne suis pas le seul là sur le site à avoir attrapé le virus. Ouais, je pense. C'est ce virus. Oh, bah, vous savez, on dit que quand on a senti la poudre noire une fois, on ne peut plus s'en passer, mais je crois que c'est vrai. Hein. On a du rouge, au centre du blanc, et à l'extrémité vers la tempe, on a encore du rouge. Oui, les chandelles 20 mm. Que va Thierry pour confirmation? Mon père donc faisait partie était pompier du comité des fêtes et il tirait toujours le feu du 14 juillet et du 15 août. Et quand on est gamin, bon, bah, on suit un peu son père dans la lignée. Et j'ai pris la passion, enfin, le virus de la pyrotechnie, je vous dis, j'avais 13-14 ans. Quoi. Ah, là, c'est mon feu, donc je vais y attirer un soin particulier. Non pas que j'attire pas un soin aussi aux autres, mais celui-là, c'est mon bébé. Le feu d'artifice est une passion pour vous ? Il me semble, oui. J'en vis depuis 3 ans, depuis l'âge de 3 ans. Pourquoi j'en sais strictement rien ? Je sais pas, réellement. Et à l'âge de 3 ans, je raconte cette anecdote parce qu'elle est vraie. J'ai eu la chance de voir la fête du lac d'Annecy qui célébrait le centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Et ce jour-là, ça a été le déclic. Je savais que je ferais ce métier-là. J'ai toujours bassiné mes parents avec ça. Je voulais être soit ça, soit chef d'orchestre. Donc je fais de la musique aussi pour le plaisir et très fréquemment. Et du reste, ce métier me permet d'ailleurs de pratiquer la musique puisque ma joie, c'est de mettre l'artifice sur de la musique. C'est vraiment de considérer la matière de l'artifice comme des danseurs et d'en faire une chorégraphie. C'est véritablement le plus grand plaisir. Je sais pas pourquoi, parce que ça me provoque. J'ai employé un terme qu'on n'emploie pas forcément pour ça, mais ça me provoque une jouissance extrême. Mais je ne peux pas vous l'expliquer mieux. Qu'est-ce que vous aimez dans les feux d'artifice ? Qu'est-ce que j'aime ? Ouais.
Il y a déjà la préparation du feu sur le papier, parce que là, vous êtes ailleurs, on est dans un autre monde, on est en train de penser à ce qu'on va faire, on voit les effets dans sa tête, on écoute la musique, on imagine le site de tir. Et là, déjà, c'est la première création artistique dans sa tête qu'on transmet sur le papier. Et c'est une façon comme une autre d'exprimer une créativité artistique. Et puis ça s'adresse à tout le monde, surtout. Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans le feu d'artifice, si vous voulez, c'est qu'on n'impose rien dans le feu. Vous n'avez pas besoin d'avoir une culture avant pour comprendre ce qu'on veut dire, parce qu'en fait, on ne veut rien dire dans l'artifice. Chacun imagine son scénario. C'est ça qui m'intéresse dans le feu d'artifice. Vous n'avez pas de problème comme la peinture ou des choses comme ça, où il faut avoir peut-être parfois, pour comprendre une œuvre, appréhender quelque chose. Là, ça s'adresse aux petits, aux grands, à tout le monde. Et on va terminer par trois bombes plein ciel, ce qu'on appelle, en 200 mm. À l'intérieur de ces bombes, il y a au moins 65 petites bombettes. Hein. Et donc il y a deux bleus aux extrémités, une blanche au milieu, et alors là, ça va être un mur aussi. Vous avez deux couleurs, vous avez le bleu et le sang-pleureur. Le sang-pleureur, c'est couleur or, c'est scintillant. Dans sa retombe, ça fait comme des pépites d'or, voilà. Ouais. C'est très très beau, vous n'avez jamais vu? Non. Très beau, et le bleu est très beau, c'est magnifique. Alors on met moitié-moitié, vous voyez, ça fait c'est une habitude. 40 grammes de poudre. Et ensuite, le sang-pleureur. Le sang-pleureur, oui. Le sang, c'est pareil. Ça nous fait une bombe, voilà. C'est du bleu sang-pleureur. Vous avez déjà vu ce que ça faisait? Oui, c'est très beau. J'ai fait un petit feu d'artifice pour les 20 ans de ma fille le 13 juillet. Oui. Et c'est magnifique. Hein. J'ai épaté tout le monde. Puis c'est un peu... C'est un peu de l'orgueil aussi, parce que c'est moi qui les ai faites, et les copines aussi. Enfin, ça fait plaisir de voir le travail complet. C'est tellement de... On passe des heures et des heures là pour finalement quelques secondes. Hein. J'ai fait mes études de chimie à Marseille. Et mon premier emploi était dans une entreprise de pyrotechnie. J'étais en relation avec un vieux pyrotechnicien qui m'a transmis tout son savoir-faire. Et on a fait. Tous les deux, on a de suite été très amis. Et pour moi, c'était mon père de la pyrotechnie, parce qu'il m'a fait, ça a été le premier à me faire voir une flamme. Là, il y a des dégustateurs de vin. Ils arrivent à retrouver là-dedans les ingrédients, les machins. Ils arrivent à, c'est un métier. Et lui, c'était un dégustateur de flamme. Il voyait une flamme. Il dit, regarde ça. Là, tu as vu le charbon qu'on a utilisé, là, il est trop fin. Regarde ce bout de titane qui commence à continuer à brûler avec l'oxygène de l'air. Regarde là. Tu as vu le bout de la flamme, là, elle est un peu blanche, à mon avis. Alors, ça, c'est fabuleux. Arriver à décomposer une flamme comme le fait un tasse-vin d'un Bordeaux. Et c'est fabuleux. Après, à partir de là, vous avez la porte ouverte à la découverte, puisque vous avez accès aux clés. Une flamme de bougie, c'est pas agressif, une flamme de bougie, c'est quelque chose d'assez... Vous avez des flammes pyrotechniques qui se rapprochent de cette combustion placide et harmonieuse. Vous avez d'autres formules qui font appel, par exemple, pour être un peu technique, à des métaux, où on va commencer à voir rentrer des agitations, il va y avoir quelque chose qui va se produire, qui va dénaturer cette harmonie. Là, il faut vite faire machine arrière. Il faut vite revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Il faut savoir y regarder de près. Avec l'expérience, il y a accumulation de connaissances, remplissage d'une case d'ici, une case là, vous rencontrez des gens, des nouveaux produits et vous accumulez des connaissances. Voilà. Puis un jour, vous arrivez à coller trois cases, une ci, une là, et c'est ça. La création, c'est ça. C'est à partir de connaissances acquises, arriver à les faire fondre entre elles pour créer la nouveauté. Quand nous allons faire des essais, on ne revient jamais neutre. Ou on est triste, ou on est gai. Et là, quand on a trouvé un truc comme ça, c'est clair, on y croit et on a une sorte de jubilation de dire, ça y est, ça c'est fabuleux, on a trouvé quelque chose là. Là, on tient des choses.
C'est vrai, il y a des bombes, c'est comme un roman. Il faut refaire sa copie 100 fois. Puis à un moment, on arrive à un truc, il faut rien enlever et rien ajouter. Là, quand on a atteint ce niveau de perfection, il faut le regarder et le re-regarder. Vous êtes embourbé où là, dans la montée? Si, traverse par la passerelle. Là, on est en bas, à côté de la tente, à côté des bases 1. Allez! C'est un travail d'équipe en fait. Ah oui, un travail d'équipe complètement. Ah oui, si on n'a pas une bonne équipe. Et puis bon, bah dès qu'il y en a un qui a un problème, il appelle à la radio, puis on y va quoi. C'est... Et tu crois qu'il va sortir? Ah oui, il va sortir là. Ouais. Ce qui se passe, c'est que tous les 30. Messieurs les artificiers, le sacre du feu. Un feu comme Chantilly, mais... Personnellement, il m'a fallu un bon mois. Un bon mois, pas à temps complet, mais il faut un bon mois pour... Il faut que ça mûrisse, c'est comme tout. Vous avez des idées, vous les mettez sur le papier, vous les changez, puis au fur et à mesure, ça mûrit et puis ça se construit. En fonction des musiques choisies, on dit, bon, bah voilà, tiens, là, de la bombe prend le palmier, ça ira bien. Là, c'est une musique soutenue, on va faire soit de la bombe bouquet. Là, par exemple, il y a une séquence où, après les mosaïques, là, justement, où on casse carrément le rythme de la mosaïque, c'est que la musique, la voix, il y a une petite réverbe de 10 secondes. Alors, j'ai fait un mur de mosaïque et en même temps, deux secondes après, j'envoie un mur de clignotantes qui, en même temps, ces clignotantes sont des étoiles qui durent à peu près 15 secondes, donc qui vont bien aller sur la réverbe de la voix, quoi. Donc là, on va terminer avec des petites étoiles qui vont clignoter jusqu'au sol. Et ça, c'est, à mon avis, c'est bon, c'est comme ça que je le perçois, quoi. Ah, pendant la création, là, c'est un pied inimaginable parce que je ne sais pas ce que ressentent les peintres, même si je dessine beaucoup, mais on est dans un univers. C'est sans doute une sorte de fuite par rapport, mais on sort complètement de la réalité. On est dans un univers, on crée. C'est la création, c'est-à-dire qu'on oublie tout ce qui est autour de soi, on oublie ses problèmes, on oublie les problèmes des autres, on oublie tout, et on ne vit plus que dans la création d'un univers qui n'existe pas encore, qui va exister quelques minutes et qui n'existera plus après. C'est complètement éphémère, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Moi, je me lasse très vite de tout. Sauf du feu d'artifice parce que il est là et il est déjà parti. Et puis une salle pour faire vraiment un feu en fanfare quoi. Les top, les top. Ils vont s'affronter une fois de plus pour le plus grand plaisir d'une foule d'admirateurs qui ne manqueront pas de venir. Pendant des mois, ils y ont pensé à cet instant tant redouté, mais ô combien attendu. Ces quelques minutes de tonnerre, ils les ont tournées et retournées dans leur tête pour enfin un jour les écrire et les mettre en musique. Attends, sinon il y aurait... Pas mal non plus, hein. Pas mal, hein, ça. Ouais. Donc là, hop, t'as le premier tronc qui monte, là. Donc là, il a éclaté. Donc là, on fait partir de chaque côté. Tu vois, on monte comme ça. Mais est-ce que tu veux quelque chose de plus ou moins rapide ou assez doux? Pas trop. Parce que tu sais, les Rimbaud, ils sont pas... Ouais. Là, ça risque d'être peut-être un peu... Parce que là, tu pourrais avoir fuchsia, là, on pourrait avoir... Là, il y a un peu de vert, là. Après, on fera un arc-en-ciel comme ça, là. Avec quelques bombes ici, là, incrustées. Et là, je pense que là, on change de... C'est la guitare qui rentre. Ouais. Là. Donc là, il faudrait qu'il y ait un autre tableau qui reprenne, reprenne une autre figure. Quoi. Tu grossis en calibre? Ouais, ou en calibre. Ah, et si on pouvait... Ouais, sur le... Bon, bah là, c'est le Vertu-Gadin qui part. Et là, on va monter. À chaque fois que la musique monte, là, 75, 100, 125, 150. Ouais, mais là, c'est des salves, là. Ouais. Là, j'attaque en salve, là. Ouais. Là, voilà. Alors là, ils sont partis. Boum. Voilà. Okay. C'est impeccable, ça. Deux bleus, une blanche au milieu. Ça devrait être bon. Moi, j'ai une formation de mathématicien.
Mais je faisais une thèse au CNRS, et puis un jour, étant musicien et étant passionné de feux d'artifice, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit aux deux plus grosses sociétés françaises d'artifice. Et l'une d'elles a été intéressée par ma candidature. La thèse a été reçue ? Non. Elle a été interrompue. Elle a été interrompue. Qu'est-ce qui vous fait, vous vibrer quand vous voyez un feu d'artifice ? Je sais pas, c'est le bruit, c'est les paillettes de mille couleurs, c'est l'impact que ça a sur le corps quand une bombe de 300 explose, c'est l'alliance de la musique, d'une voix pure, du Caruso de Pavarotti sur la musique avec des comètes blanches magnésium qui partent sur le bord d'un lac, c'est toute cette alliance, c'est toute cette alchimie qui fait que ça a quelque chose de magique. Et c'est ce qui me fait vibrer. Hein, c'est un peu ça, on vibre avec la musique. Quand c'est topé, bah, c'est boum, 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 bêtement. Non, mais c'est ça. C'est un chrono, puis le feeling. Parfois, il y a des problèmes dans le feu d'artifice qui font que vous avez des engins qui ne montent pas à l'altitude désirée ou des problèmes de ligne électrique ou des problèmes d'humidité ou toutes ces choses-là qui font qu'on n'est jamais vraiment sûr à 100% de ce qu'on fait. Mais vous savez, la pyrotechnie, c'est aussi ça qui fait son charme. Ne pas être sûr à 100%, d'avoir toujours un petit peu l'impression d'avoir dominé une force, mais parfois c'est elle qui reprend un peu le dessus. Bon, tout va bien. Tout va bien. Puis qu'à prier qu'il fasse beau. C'est bien parti. Que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Mathieu, il est là. 1052. 3, 2, 1, feu. 1053. 3, 2, c'est la dernière répétition. Feu. 54. Les derniers tops qui courent sur les musiques vérifiées et revérifiées. Bon, pour toi, Gilles, est-ce que c'est sûr, tout se passera bien. Rien ne peut venir ternir l'embrasement qu'ils veulent de tout leur être. Et pourtant, une sombre panique monte. De Vernois, quant à lui, n'est plus sûr de rien, sauf peut-être des effets, des couleurs, que lui, et lui seul, voit et revoit dans son imagination. Mais les minutes s'écoulent, la foule arrive. Le feu partira-t-il correctement? Nul ne le sait. Aucun de ces hommes qui vont s'affronter ne pourrait l'affirmer. Il suffit de tellement peu. D'un fil électrique défaillant, d'un branchement mal fait et toute la synchronisation du feu sur la musique est perdue. Et puis, il y a ce qu'ils appellent le trou noir, la hantise de tous les artificiers. Que pendant quelques secondes, le ciel ne soit plus à eux, les maîtres de la lumière. Que la musique seule soit présentée. Mais non, ce n'est pas possible. Tout marchera bien. Et pourtant, tant d'inconnus subsistent. Mais pour l'équipe, il va falloir faire bonne figure. 1.59. 3, 2, 1, feu. Non, je sais pas ce que ça va donner. Ben, de toute façon, maintenant, les dés sont jetés. Hein. Ah bah oui, non, mais ça c'est sûr, mais... Il aurait fallu un petit peu de vent, quoi, ça aurait été bien, mais bon, c'est... Non, tout va bien. Tout va bien. Tout va très très bien. Ah, mais avec ta fumée? Ça va partir. Ouais. Conditions météo un peu particulières, mais il faut faire avec. C'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas en artifice. Les histoires fusent, on se rassure comme on peut. C'est quoi le comble d'un artificier? Bah, j'en sais rien. Tu veux être marié avec une bombe? C'est vrai que c'est moins drôle la deuxième fois. La sortie d'un artificier, c'est ouais, de partir en fumée. Ah. Ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Vas-y, parle-moi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tu m'entends bien? Nous allons commencer dans 3 minutes. Nous allons commencer dans 3 minutes. Donc on commence encore. Ok, moi je t'entends. Bien, c'est quand vous voulez. Attention Frédéric, on va partir. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que tout l'implémentation en ligne, c'est bon. Ok.
Bon, ok, tu me branches sur le 2 du radeau, là. Ok. Bah, c'est quand vous voulez. Ouais. Tu n'oublieras pas le décompte. Voilà, bon, tout est bon. Hein. Attends, ça arrive. 5, 4, 3, 2, 1, puis, c'est l'émerveillement. Pourtant, penchés sur leur pupitre de tir, ils ne voient rien. Ils imaginent. Au son des explosions, ils se synchronisent et passent dans leur tête les tableaux qu'ils ont eu tellement de plaisir à faire. Les exclamations du public les comblent. Claude de Vernois, c'est l'incident stupide, tellement redouté. Un récepteur radio ne répond pas. Une séquence risque de ne pas partir. Elle illuminera le ciel avec quelques secondes de retard. C'est la fin, les applaudissements, les ovations pour tous qui continueront de faire rêver petits et grands. Mais déjà, ils pensent au prochain feu. Ils en rêvent. Qu'est-ce qui m'a vraiment plu, le final? Le final, ouais. Beaucoup de bruit, beaucoup d'exubérance. C'est comme ça que je les conçois.